Désolée pour ce petit retard. J'espère que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons commencer notre culte de ce jour. Nous sommes venus célébrer le Créateur des cieux et de la terre, notre immense Seigneur. Nous sommes venus célébrer celui qui nous connaissait avant même que le monde existe. Nous sommes venus dans la présence de celui qui nous redonne le souffle de vie encore ce matin. C'est une grâce, c'est une faveur. Nous ne méritons pas plus que qui que ce soit. Donc venons justement dans cette attitude où nous disons que nous venons devant celui qui tient nos vies entre ses mains. Celui qui a permis, celui qui a créé ce désir en chacun de nous de pouvoir quitter nos maisons et de pouvoir venir dans sa présence. Amen. Nous sommes venus devant celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui dit un mot et la chose arrive. Nous sommes venus dans célébrer ce culte où nous voulons rendre louange, honneur, gloire et majesté à celui qui le mérite. Il nous a créés non seulement pour exister tout simplement, mais pour lui rendre aussi toute la gloire. Toute la gloire, toute la louange. C'est pour cela qu'en commençant ce culte, nous allons d'abord élever nos voix et être reconnaissants devant ce Dieu qui permet que ces instants soient des instants où nous allons communier ensemble, où nous allons le louer, l'adorer. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur, demander au Seigneur de régner au milieu de nous, lui dire que nous sommes là pour lui. Nous sommes là pas pour un homme, mais nous sommes là pour lui rendre toute la gloire qui lui est due. Nous sommes là pour le célébrer, nous sommes là pour l'adorer, pour l'élever. Nous allons élever nos voix, recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Père éternel, toi qui es le maître de temps et de circonstances, et c'est toi qui permets, Seigneur, que nous puissions nous réunir encore ce matin. Pour ta seule gloire, ce n'est pas pour notre gloire, ni pour quelqu'un d'autre, mais pour ta seule gloire. Oui, Seigneur, nous recommandons ces instants de descendre. Nous ne voulons pas commencer ces instants comme ça. Et nous voulons, Seigneur, que tu commences ce que tu as fait. Seigneur, assiste-nous. Seigneur, conduis ce culte. Seigneur, règne au milieu de nous. Seigneur, prends ce culte par main. Seigneur, que tout ce qui se passe là se passe selon ta volonté, selon ce que toi tu avais prévu. Père éternel, ces instants sont à toi. Nous voulons nous décharger de tout ce qui occupe nos pensées. Nous voulons nous débarrasser de tout ce qui est distraction, de tout ce qui vient de nous. Nous voulons avoir nos regards focalisés sur toi ce matin. Nous voulons avoir nos cœurs focalisés sur toi ce matin. Et nous voulons que ce culte soit parfait dans tes yeux. Nous voulons que ce culte montre qui tu es pour nous, éternel. Que ce culte te soit digne, éternel, de glorifier. Nous nous abandonnons complètement en toi. Nous nous abandonnons complètement en toi, Seigneur. Règne dans ce culte. Sois celui qui commence avec nous. Sois celui qui va chérir avec nous. Dans tous les états, Seigneur, de ce culte. Seigneur, que tout soit fait selon toi, selon tes prévisions, et non selon ce que nous avons prévu, et non selon nos attentes. Et Seigneur, que tout soit fait selon ta volonté. Nous abandonnons à toi. Et nous abandonnons à toi. Seigneur, sois le roi, sois le Seigneur, sois le commencement, en la fin du Seigneur, de ce que tu veux. Béni sois-tu. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de cela.
souffle en ce lieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de régner au milieu de nous. Oui, cher Saint-Esprit, si nous te laissons la place. Et nous effaçons le besoin de te laisser la place. Sois celui qui conduit toutes choses. Sois notre source d'inspiration dans tout ce que nous aurons à faire. Dans les choix, la manière de chanter, de me célébrer, de prier, Seigneur de gloire, de ton Esprit Saint puisse être exclu de toutes choses. De ton Esprit Saint ouvre le cœur. De ton Esprit Saint souffle un vent de prière, un vent de joie au milieu de nous. Que ton Esprit Saint prenne tout dans la vie. Que ce ne soit pas notre intelligence humaine qui puisse parler, mais que ce soit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que ton Esprit Seigneur prenne ton cœur, souffle un vent nouveau au milieu de ton peuple, tout au long de ce but. Dans la vie de tout un chacun, cher Saint-Esprit, nous te laissons le contrôle. Sois au contrôle de nos pensées. Nous voulons que nos pensées soient tournées vers toi, au Éternel. Que ton Esprit nous aide à nous focaliser sur la vie, à ouvrir nos cœurs, à nous orienter vers toi, à nous focaliser vers toi, au Éternel. Cher Saint-Esprit, sois au contrôle de toutes choses et verse ta puissance au milieu de nous. La bonté du Seigneur, la force du Seigneur, le verset sur nous, Seigneur, toute la grâce divine ce matin, que ce lieu, Seigneur, reflète ta gloire ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci de nous conduire. Merci au Seigneur de nous diriger. Le chapitre 4, verset 11 nous dit : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est pour cela que je voulais que nous puissions chanter ce chant qui dit que le Seigneur est bon. Il est bon à tout moment. Qu'il pleuve, qu'il neige, il est bon. Dans la maladie, dans la bonne santé, il est bon. En ces instants, tous les jours de la semaine, il est bon. Et tout ce qu'il fait est parfait. Notre Dieu est bon. Nous allons nous lever toujours avec cette parole en mémoire qui dit qu'il a tout créé. C'est lui qui est le créateur. Et il a créé tel qu'il voulait que les choses soient. Et nous allons lui dire qu'il est bon. Bon pour nous. Bon pour nos vies. Bon pour nos familles. Bon pour son église ce matin. Bon en ces instants. Nous allons nous lever. Nous allons chanter ce chant de tout notre cœur. En réalisant à quel point il est grand. Lorsque nous regardons l'étendue des cieux, c'est tellement grand. Lorsque nous regardons les mers, les océans, ils sont tellement immenses. Et maintenant, imaginons la grandeur de celui qui les a créés. Il est infiniment grand. Et il est infiniment bon envers nous. Oh, Jésus.
Oh,
Le nombre de fois que nous pouvons compter, où tu as été bon envers nous,
où tu nous as secourus, où tu nous as répondu. Nous ne pouvons que t'être reconnaissants. Nous ne pouvons que proclamer que tu es bon, que tu es sans pareil. Lorsque nous réalisons, Seigneur, nos fautes, et qu'aujourd'hui ton amour ne cesse, Seigneur, de se manifester envers nous, nous ne pouvons que proclamer que tu es bon, que tu es merveilleux. Même lorsque nous croyons être seuls, tu es toujours là, ô Éternel. Tu ne nous abandonnes pas parce que tu es cet ami fidèle, notre force, notre joie de vivre. Ô Seigneur, reçois la gloire. Reçois la gloire. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Nous allons nous lever, nous allons chanter, taper des mains et danser pour proclamer qu'il est bon. Alléluia. Oh, 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 oh
le mérite encore sur mon salut. Alléluia, est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Amen. Voilà, je veux que cette joie continue, que nous soyons toujours dans cette joie de pouvoir aussi recevoir la parole que le Seigneur veut nous communiquer ce matin au travers son instrument. Nous allons abandonner nos cœurs devant le Seigneur. Nous allons lui dire que nous avons soif et faim de sa parole, parce que c'est cette parole qui nous nourrit, qui nous fortifie, qui nous aide à tenir. Et aujourd'hui, il y a encore quelque chose de merveilleux à pouvoir apporter à nos vies, à son peuple ce matin. Nous allons aussi recommander l'instrument qui s'est choisi entre ses mains, que l'Éternel le remplisse encore de son onction, de sa puissance, pour qu'en ouvrant sa bouche, que ses paroles soient accompagnées de la puissance du Seigneur, que ses paroles puissent toucher une vie aujourd'hui, que nous puissions sortir d'ici meilleurs que ceux que nous étions en entrant en ce lieu. Nous allons prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu tout-puissant, ta parole est vie et esprit. Ta parole, Seigneur, est notre vie et notre force. Que ta parole nous transforme, que ta parole nous rende meilleur, que ta parole nous ouvre encore les yeux, Seigneur. Que cette parole fortifie ma vie aujourd'hui, que cette parole édifie ton peuple ce matin. Nous recommandons également ton serviteur entre tes mains, Seigneur. Papa, utilise-le puissamment, Seigneur, qu'il puisse parler de ta parole au Éternel. Mets en lui les paroles, les mots, Seigneur, qu'il faut, Seigneur, pour que ton peuple saisisse ce que tu veux nous donner, Seigneur, ce matin. Nous en avons besoin. Nous avons faim de ton amour. Nous avons soif de ta parole éternelle. Nous t'ouvrons nos cœurs tout grand. Nous te laissons toute la pensée. Nos pensées, nos oreilles, nos yeux sont fixés sur toi en ces instants. Nous voulons nous taire et te laisser toi seul parler. Alléluia. Je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma I'm
Ça, c'est de l'injustice. Et devant l'injustice,
Les enfants de Dieu ne peuvent pas se taire. Il y a un Dieu qui est juste. Il y a un Dieu juste. Et j'aimerais que nous puissions prier pour le Congo. Que Dieu puisse faire justice pour le Congo. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous pouvons nous lever, demander la justice de Dieu. Ça fait mal. Mais est-ce que nous pouvons juste nous lever, demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, fais justice à ce pays. Amen. Ce pays qui souffre injustement, qui n'est pas allé chercher la guerre, mais on lui a amené la guerre, mais on lui dit que lui, il ne peut pas se battre, mais les autres doivent l'exterminer. Nos frères et sœurs dans l'est du pays sont en train de mourir. Plus de 10 millions de morts depuis que cette histoire a commencé. Est-ce que devant toutes ces choses-là, nous devons rester vraiment silencieux? Alors, est-ce que nous pouvons demander la justice de Dieu? Que le Seigneur nous fasse justice, parce que, vous savez, bien aimé, tout le monde est contre le Congo. Le monde, on ne va pas dire, dans nos amis, dans la diplomatie, entre les États, il n'y a pas d'amis. Il y a des intérêts qui comptent. Mais maintenant, le Congo, on lui en veut par tout le monde. Est-ce que nous pouvons prier, demander à Dieu que les seigneurs, les justes juges, puissent nous faire grâce? Élevons nos mains et implorons la justice de Dieu sur le Congo. Seigneur, notre Dieu, notre Père, le Dieu juste, le Dieu bon, le Dieu éternel Yahweh, qui entend le cri du malheureux. Seigneur, s'il te plaît, nous t'implorons, Papa. Nous te demandons, Emmanuel, que tu puisses faire grâce, Yahweh. Que tu puisses faire justice, ô Dieu des armées, Seigneur. Yahweh, pour le Congo, Papa. Seigneur, notre Dieu, le monde nous en veut, éternel. Yahweh, ô Dieu tout-puissant, viens, Seigneur. Nous n'avons que toi, ô Dieu des armées. Cela compte, Yahweh, armées, sur leurs âmes, ô Dieu tout-puissant. Les autres comptent, Yahweh, pour ces reposés, Papa. Éternel, c'est leur char, éternel, notre Dieu. Mais nous tournons nos regards vers l'éternel, le Dieu des armées. Emmanuel, viens nous en aide, Papa, au nom de Jésus. Yahweh, viens nous en aide, notre Dieu. Conforme nos ennemis, Yahweh, armées. Seigneur, notre Père, que tu connais la source de cette guerre, ô Dieu des armées. Et nous savons que tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Yahweh, de mettre au fond et de passer vos produits à cette guerre, Seigneur, et de confondre, Yahweh, ô Dieu des armées, Papa. Les ennemis du Congo, Seigneur, notre Père. Yahweh, lève-toi, ô Dieu des armées, et de voir la cause du Congo, Seigneur. Au nom de Jésus, défends notre cause, Papa. Parce que nous avons tout à l'heure, ô notre Dieu. Voilà pourquoi nous revenons à toi, Seigneur, notre Père. Dans la victoire de les armées, aux forces armées du Congo, les nations reposées, afin que l'Est du Congo, afin que le Congo, Yahweh, aux armées, soit pacifié sur notre Dieu éternel, du nord au sud, Yahweh, armées, de l'Est à l'Ouest, Papa, que le Congo soit pacifié au nom de Jésus. Demandez, s'il te plaît, Papa, qu'ils soient confondus éternels, ceux qui nous en veulent, dans notre Dieu. S'il te plaît, Papa, lève-toi, ô Dieu des armées, Seigneur. Lève-toi, ô Dieu tout-puissant. Lève-toi, Seigneur éternel, dans ce Congo, Yahweh, une terre d'accueil, Jésus, ma sœur, mon cousin, une terre, Jésus, ma sœur, mon cousin, Papa, qui a accueilli beaucoup de monde, Jésus, ma sœur, ô Seigneur, et qui aujourd'hui est injustement envahi, Papa, et injustement, Yahweh, ô Dieu des armées, trahi, Seigneur. S'il te plaît, manifeste-toi au nom de Jésus. Et dans ta main, Seigneur éternel, que les ennemis du Congo, Papa, soient confondus éternel. La Bible déclare, Yahweh, qu'ils étaient venus, Seigneur notre Dieu, par un seul chemin. Mais l'Esprit de l'Éternel les mettra en débandade, Yahweh Zabé. Oh Seigneur, s'il te plaît, manifeste-toi au nom de Jésus. Fais-nous justice éternelle. Rends-nous justice, Yahweh, oh Dieu des armées, parce que nous ne savons plus où. À qui parler, Seigneur, ni où aller, notre Dieu. Mais nous tournons maintenant nos regards, comme le psalmiste, notre Dieu, il dit, j'ai tourné mes regards vers l'Éternel, vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours nous vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Oui, Dieu nos armées, nous croyons que tu entends nos prières, Seigneur. Nous croyons, Éternel, que lorsque le malheureux crie, Yahweh,
Toi, tu entends et t'enlèves. Et le cri du Congolais, Seigneur. Le cri du Congo, Yahweh. Toi, tu entends, c'est notre Dieu. Et nous savons, Père de gloire, que nos ennemis, c'est notre Dieu éternel, Yahweh. Oh Dieu, qui était venu par un seul chemin, Seigneur. Tu les mettras en déroute, Yahweh, les armées. Oh Dieu, les armées, comme tu as mis en déroute, Papa, les armées syriennes devant Israël éternel. Que ton nom soit élevé parce que tu es Dieu. Que ton nom soit béni parce que tu es Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus? Vous savez, je me suis réveillé ce matin avec le psaume 137. Quand les captifs sont retournés chez eux et qu'ils se souvenaient de quand ils étaient dans l'esclavagisme, quand on leur posait la question, est-ce qu'on leur demandait plutôt, vous ne pouvez pas nous chanter les cantiques de l'Éternel, les cantiques de votre Dieu? Et ils disaient, comment chanterions-nous les cantiques alors que nous sommes en train de souffrir? Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est le psaume qui m'a réveillé ce matin. Mais ce n'est pas celui-là notre message de ce matin. Notre message, mon thème, je l'ai intitulé « La puissance de la parole de Dieu ». Alléluia. Amen. La puissance de la parole de Dieu. C'est ça l'intitulé de notre message de ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1. Il ne faut pas aller chercher loin. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Il ne faut pas aller chercher au milieu. Juste quelques pages. Oui. Genèse 1, je vais lire la parole du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, ici, on nous montre l'état du monde avant que le Seigneur ne commence à travailler sur la terre. Avant que le Seigneur ne commence toute chose, on nous dit, la Bible dit, qu'il y avait que les ténèbres qui régnaient dans le monde. On dit l'abîme. On dit que c'était informe et c'était vide. Il n'y avait rien du tout. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Nous allons lire dans Jean chapitre 1. Jean 1. On va beaucoup lire ce matin. Je n'ai pas trop l'habitude, mais là nous allons quand même lire un petit peu. Jean chapitre 1, chapitre 1, nous lisons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était
La véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons lu dans le livre de la Genèse, nous voulons parler ce matin de la puissance de la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu est capable de faire dans le monde, dans notre vie spécialement. Alléluia. Et nous avons aussi lu, fait cette longue lecture dans 1 Jean. Mais avant de commencer la parole de Dieu, j'aimerais quand même revenir sur une chose que j'ai l'habitude de faire et je ne vais pas aujourd'hui ne pas le faire. C'est nous encourager d'abord. Nous encourager à servir le Seigneur. Nous encourager à aller à l'église. Le Covid est passé. Nous sommes revenus à une vie normale. Nous devons reprendre nos activités ecclésiastiques normalement. Les mamans, le mercredi, vous devez venir dans vos cultes. Faire des cultes, inviter les gens. C'est très important. Les frères, les sœurs, les jeunes, nos activités de jeunesse. Vous savez, bien-aimés, nous sommes dans le temps où le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans le noir. Il faut ouvrir les yeux pour le voir. Si vous n'ouvrez pas les yeux, vous ne le voyez pas. Si vous n'ouvrez pas les yeux, vous allez vivre comme le monde vit. Nous sommes au temps où le diable est en train de multiplier de stratégies. Il multiplie de stratégies pour nous éloigner de Dieu. Si nous ne faisons pas attention, nous allons nous retrouver, nous sommes loin du Seigneur, en train de faire des choses qu'on ne faisait pas hier. Pourquoi? Parce que à un moment donné, les enfants de Dieu, nous devenons distraits. Regardez comment la vie elle devient de plus en plus difficile. Mais la Bible nous dit que dans les derniers jours, les temps seront tellement difficiles. Dans le temps, quand on achetait encore le litre de carburant d'essence à 80 centimes, à 1,20 €, ça allait encore. On se précipitait pour prendre sa voiture pour aller à l'église. Mais de nos jours, acheter le litre d'essence à plus de 2 €, le litre à plus de 2 €, et on est à 30 km ou à 25 km de l'église, je dis, mais c'est très difficile. On regarde ce qu'il y a sur le compte, on regarde déjà, c'est pas plein, on se dit, mais avec le peu qu'il y a, je dois tout faire pour garder l'équilibre, faire les courses de la maison, aller au travail, ainsi de suite. Bon, je peux sacrifier les jeudis. Je peux sacrifier le mercredi. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes enfants de Dieu. Et faisons attention. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et la main du diable, elle n'est pas loin. Le diable, il sait que son temps est trop court maintenant. Il faut que ça s'accélère. Vous savez, pendant le Covid,
Moi, je me suis dit que c'était juste un essai de la grande tribulation. Qui d'entre nous ici pouvait rentrer dans un magasin sans avoir le masque sur lui? Qui d'entre nous pouvait vendre sans avoir le masque? Au travail, pour prendre l'ascenseur, on vous disait une seule personne dans l'ascenseur, pas deux. Et comment ce sera lors de la grande tribulation? Bien-aimés enfants de Dieu, nous devons ouvrir les yeux, c'est très important. Et pour connaître ces choses, bien-aimés, il faut aller dans la parole de Dieu. Les enfants de Dieu, ils doivent connaître la parole du Seigneur. Quand on ne connaît pas la parole de Dieu, parfois certaines choses on voit, c'est normal. Ah oui, mais bon, écoute, il y a la guerre en Ukraine. Oui, mais c'est rien, ça devient cher. Oui, c'est parce que tu vois, frère, le carburant en Ukraine. Oui, oui, ce sont les réalités du monde. Mais nous devons savoir que les choses s'accélèrent parce que le Seigneur revient bientôt. Et le diable sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Voilà pourquoi ta série là que tu aimes, elle devient de plus en plus emballante. Elle t'emballe encore plus parce que le diable sait. Plus elle t'emballe, plus tu restes à la maison, plus moins tu écoutes la parole de Dieu. C'est ce que le diable est en train de faire. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que pasteur ancien, les veilleurs, nous devons veiller. C'est le travail que le Seigneur nous a donné, de veiller, de parler au peuple de Dieu, de réveiller l'esprit des enfants de Dieu. Nous ne devons pas vivre comme le monde vit. Nous devons savoir que le diable est en train de travailler d'une manière ou d'une autre dans nos familles. Le diable travaille. On aime tellement l'argent, tellement le travail qu'on n'a plus le temps pour Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir le temps pour le Seigneur. Même si tu travailles, même si tu es fatigué, avoir le temps pour Dieu, c'est très important. Moins tu as le temps pour Dieu, plus tu en auras pour le diable. Et le diable aime ça. Parce qu'il sait qu'à un certain moment, tellement que tu seras éloigné de Dieu, alors là, quand tu plus tu t'éloignes de lui, il ferme derrière. Il ferme. Parfois, certaines choses deviennent très difficiles. Alors, quand on se regarde, là, je suis allé loin de Dieu. Alors, enfant de Dieu, Église des messagers de Bruxelles, je voulais vraiment... je commence toujours les messages par là, c'est très important, parce que souvent, on dort. Souvent, on est distrait. Nous sommes distraits par les choses que nous voyons dans le monde. Et cela fait qu'à un moment donné, on ne croit plus en Dieu. On est fatigué. Parce que tu as dormi. Alléluia. Voilà. Je voulais nous encourager. Réveillons-nous. C'est très important. Réveille-toi. Amen. Voilà. Bien-aimé, je vais maintenant commencer la parole de ce matin. Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous voulons parler de la parole de Dieu. De la puissance de la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu est capable de faire dans la vie, dans notre vie, dans le monde, ce que la parole de Dieu est capable de faire et ce que la parole de Dieu a déjà fait et ce qu'elle fait. La Bible nous dit que le monde était informe et vide. Il n'y avait rien dans la surface de la terre. Il n'y avait que les ténèbres qui couvraient toute la surface de la terre. C'était le noir total, c'était le chaos total. Mais Dieu, parce qu'il devait commencer à travailler, parce que Dieu avait un projet, Dieu voulait placer un homme sur la terre. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne laisse pas les ténèbres régner dans le monde. Dieu, il sort de... les mots que je vais utiliser, c'est un langage humain. Comprenez. Il sort de... donc, il se manifeste. Parce que vous savez, Dieu a existé. Avant que le monde existe, Dieu est là. Dieu est. Amen. Alors, Dieu maintenant sort de là où il est. Il était pour se faire manifester, pour se faire connaître. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par enlever le ténèbre de la surface de la terre. Parce que Dieu voulait travailler. Dieu voulait
mettre l'homme sur la terre. Il voulait se faire une famille sur la terre. Et, mais Dieu, il commence d'abord par enlever les ténèbres qui régnaient à la surface de la terre. Bien-aimé dans les seigneurs, la Bible dit que Dieu dit, c'est juste la parole qui est sortie de Dieu et qui, en Dieu le disant, qui a enlevé les ténèbres qui couvraient la surface de la terre. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible, les écrits ici, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, comprendre réellement qu'il y a des choses qui sont écrites. Si vous ne l'allez pas dans la profondeur, c'est difficile de comprendre qu'est-ce que ça veut dire au juste. On va dire oui, le monde était à forme et vide et Dieu a parlé. Ça veut dire ceci. Dieu pour travailler avec nous, Dieu pour nous établir, il a d'abord commencé par enlever tous les ténèbres qui nous couvraient, qui couvraient nos vies. Parce que, vous savez, autrefois la Bible dit que nous étions dans les ténèbres, nous étions perdus, nous étions dans le péché, nous étions sans Dieu. Dans Jean, chapitre 1, la Bible dit ceci, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et cette parole-là, elle est venue maintenant dans le monde. Elle a trouvé un monde qui était dans les ténèbres. Un monde qui vivait sans Dieu. Et la parole, qu'est-ce qui s'est passé? La parole à lui. Elle a brillé dans le monde. Pourquoi la parole devait-elle briller? Elle devait briller afin que ceux qui étaient dans les ténèbres puissent sortir des ténèbres et venir dans la lumière de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans les seigneurs, toi et moi autrefois, nous étions perdus. Nous étions couverts comme le monde. Nous n'avions pas de forme. Nous étions informes et vides. Nous ne connaissions pas Dieu. Nous étions loin du Seigneur. Mais parce que Dieu devait travailler avec nous, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a parlé. Il a sorti la parole. Il a dit que les ténèbres disparaissent de notre vie. Et dans notre vie, les ténèbres ont disparu lorsque le Fils de Dieu est venu pour éclairer, pour nous éclairer, nous amener dans la lumière de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, pour que ta vie et la mienne puissent changer, il a fallu qu'une parole puisse sortir de la bouche de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut enlever les ténèbres dans la vie de quelqu'un. Il y a plusieurs vies. Il y a beaucoup de vies qui sont dans le monde. Elles, lorsque vous leur parlez de Dieu, ils ne comprennent pas, ne saisissent pas les choses de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne leur est pas encore parvenue. Parce qu'ils sont encore dans les ténèbres. Il faut que la parole puisse luire dans leur vie, la parole puisse briller dans leur vie. C'est alors qu'ils vont quitter le ténèbre pour rentrer dans la lumière. Bien-aimés dans les seigneurs, il n'y a rien d'autre qui peut changer ta vie. Il n'y a rien d'autre qui peut changer ma vie sinon la parole de Dieu. Vous savez, dans Angélique, il n'est pas rentré dans les profondeurs dernièrement. Il y a deux dimanches, lorsqu'il a parlé, vous savez, de cinq solas. Et la Bible dit, ils ont dit ceci, qu'il y a le premier sol, c'est-à-dire les principes de l'Église, les principes. Ils ont dit que seule la parole, il n'y a que la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ils veulent laisser la parole de Dieu pour aller dans autre chose. Bien-aimés, pour que les ténèbres puissent partir, pour que les liens soient brisés, il n'y a que la parole de Dieu qui peut le faire. Amen. Il n'y a pas autre chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils laissent la parole de Dieu. Ils laissent la Bible pour aller consulter les prophètes. Ah, qu'est-ce que le prophète a dit? Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous ne sommes pas de ceux-là qui vont aller consulter les hommes pour qu'on nous dise
qu'est-ce que Dieu a dit à notre sujet. Nous avons la parole de Dieu. Vous savez, si vous rentrez dans la parole de Dieu, vous allez trouver la solution à vos problèmes. Rien que la parole de Dieu, pas autre chose. Les ténèbres qui couvraient la terre, les ténèbres qui couvraient le monde. La Bible dit que le monde était informe et vide. Il n'y avait rien. C'était que le noir total. Mais la parole de Dieu, Dieu a dit que la lumière soit. Autrefois, toi et moi, nous étions dans les ténèbres, perdus dans nos pensées, loin de Dieu. Mais il a fallu que le Seigneur puisse parler, afin que les ténèbres puissent partir. Bien-aimé, il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de faire partir les ténèbres dans notre vie. Rien d'autre. Rien d'autre. Pas les 10 heures de bonnes aventures. Parce que tu penses que, ah voilà, ta vie ne va pas bien, tu te crois que non, voilà, toi tu es, ça fait longtemps, je suis à l'église, ma vie n'avance pas, je dois aller voir des gens, ainsi de suite. Non, bien-aimé dans le Seigneur, attache-toi à la parole de Dieu. Amen. Cherche à connaître Dieu dans sa parole, à savoir qu'est-ce que Dieu veut pour toi. C'est très important. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, c'est elle qui peut, il n'y a que la parole de Dieu qui peut enlever les ténèbres dans les vies. La Bible dit que la parole de Dieu, elle a quitté le ciel, elle est venue vers nous. Nous qui étions dans les ténèbres, qui étions perdus. Pourquoi? Pour nous sauver. Parce que vous savez, bien aimé dans les Seigneurs, l'apôtre Paul dit que nous étions séparés de Dieu. Nous étions éloignés de Dieu. Mais le Christ est venu, la parole de Dieu, elle s'est faite chair, elle est venue pour nous réconcilier avec le Père. Et il n'y a que la parole de Dieu que nous sommes réconciliés par Jésus-Christ avec Dieu. Bien, mais tu cherches quoi? La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu nous suffit. Vous savez, un jour, le Christ, il y a un centenier, il vient vers lui, il dit, mais écoute, mon serviteur est malade, est-ce que tu peux venir chez moi? Tu peux aider pour le guérir? Jésus dit, on va y aller. Il dit, non. Dis seulement un mot. Une parole seulement. Parce que moi aussi, de là où je suis, avec mes serviteurs, quand je leur parle, je commande seulement. Et ils obéissent. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te délivrer. Il n'y a que la parole, pas autre chose. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui... On cherche trop de choses. Mais quand on leur oppose la parole de Dieu, quand on leur met la parole de Dieu devant comme ça, ils ne veulent pas. Ah frère, tu sais, ça, tu fais, oui, mais c'est bien ce que tu dis, mais tu vois, non, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes sauvés par la parole et la parole seule. Tu es sauvé, toi et moi, nous sommes sauvés que par la parole. Nous ne sommes pas sauvés par l'huile, nous ne sommes pas sauvés par le charbon, on n'est pas sauvés par quoi que ce soit, que par la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous a pris de ténèbres. Et c'est cette parole qui a fait de toi ce que tu es. Regarde ce que tu es d'autrefois. Hein? Reviens 20 ans, 25 ans en arrière. Ce que tu étais. Mais la parole de Dieu est venue vers toi. Elle t'a sauvé. Et beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Bien, mais il n'y a que la parole de Dieu qui peut apporter la lumière dans ta vie. Dans Psaume 119, verset 9. Qu'est-ce que le psalmiste dit? Il dit ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle est puissante pour purifier nos cœurs. Amen. Jésus leur dit ceci, vous êtes purs par la parole que vous avez écoutée. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, excusez-moi, on veut nous embrigader. On veut nous garder comme des esclaves,
pour nous dire que nous sommes encore des pécheurs, pour nous dire que nous sommes encore loin de Dieu, nous dire que nous sommes encore liés. Nous avons vu ici le témoin, on a suivi les enseignements ici avec le pasteur Takas. Vous savez, bien-aimés dans les Seigneurs, Jésus leur dit ceci: vous êtes purs par cette parole que je vous ai prêchée. Est-ce que vous pensez qu'ils étaient réellement purs? Ils étaient sans péché. Parce que nous avons vu, quelque temps après, l'apôtre Paul et Pierre, pardon, qui va réunir le Christ. Il réunit le Christ. Alors que Jésus venait de dire que vous êtes purs par cette parole que je vous ai prêchée. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une vérité. Vous savez, nous sommes sauvés par le Christ. Seul, le Christ seul est au moyen de la foi. Et le salut que le Christ nous a donné, ça ne veut pas dire que parce que nous sommes sauvés, que nous ne pouvons pas pécher. Non, c'est faux. La Bible dit ceci, que tous nous péchons d'une manière ou d'une autre. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous sommes des menteurs. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Mais un enfant de Dieu peut tomber dans les péchés. Un enfant de Dieu peut se pécher. Vous savez, la Bible dit ceci: si tu te mets en colère, ne pêche pas. Ça veut dire que nous pouvons nous mettre, je peux me mettre en colère. Je peux m'énerver. Je me mets en colère et je dis des choses qui ne sont pas bonnes. Mais je n'ai pas honoré Dieu. Mais est-ce pour autant que je deviens un pécheur? Est-ce pour autant que je deviens un pécheur? Donc parce que j'ai péché, parce que je me suis mis en colère, c'est fini. On veut maintenant me garder dans les liens de la colère. C'est ça l'évangile d'aujourd'hui. Où la parole de Dieu n'a plus sa place. C'est juste les pensées des hommes. C'est juste les paroles des hommes qui prennent l'autorité dans l'église. On veut garder des esclaves. Ah non, tu vois, toi, tu as des liens de colère. Oui, mais ça devient de liens lorsque on voit que non, voilà, notre bien-aimé ici, on apprécie tellement la parole, il vient tout le temps à l'église, il vient à l'église, mais il se prostitue tout le temps. Frère, ma soeur, elle vit comme ça. Sa vie, c'est la prostitution. Ça, la prostitution, elle ne peut pas vivre. En ce moment-là, il faut prier. À ce moment-là, on peut parler des liens. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un s'est mis en colère qu'il est devenu... il a l'esprit de colère. Et on veut nous faire croire cela. Jésus a dit que vous êtes purs par cette parole que je vous ai prêchée. Bien-aimés dans les Seigneurs, la parole de Dieu nous rend purs. Elle purifie nos pensées. Parce que dans la parole de Dieu, elle est sainte. Si tu vis encore, si tu es encore dans le péché, si tu penses que toi, ta vie, elle n'est pas encore conforme à la parole de Dieu, ça veut dire que là-dedans, c'est en toi qu'il y a un problème. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a jamais de problème parce que le Christ leur dit, vous êtes purs par cette parole. La parole de Dieu, elle est sainte. Lorsqu'elle tombe, la Bible dit dans Isaïe 55, lorsqu'elle tombe, elle vient pour arroser la terre. Elle vient pour la féconder et faire germer le grain qui est tombé. Bien-aimé dans les Seigneurs, la parole de Dieu, si elle n'agit pas dans ta vie, si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors on doit se poser bien la question. Est-ce que j'ai reçu la parole de Dieu dans ma vie? Est-ce que je suis éclairé par la parole de Dieu? La parole de Dieu ne peut pas te laisser dans l'esclavagisme du diable. Non. Jésus même dit, lorsque vous priez, dites, délivre-nous du mal. C'est-à-dire que quand tu pries, déjà avec la parole que tu connais, et quand tu pries, tu demandes au Seigneur de te délivrer du mal. Que tu sois éloigné du mal, que que le mal n'habite pas en toi. Mais si la parole de Dieu n'a pas encore pris place dans ta vie,
Si la puissance de la parole de Dieu n'agit pas encore dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas être esclave. Vous savez, un jour, les Juifs, ils demandent à Jésus, Jésus leur parle, et ainsi de suite, Jésus leur dit, vous êtes esclave. Ah, mais si vous dites que vous êtes les fils d'Abraham, vous me connaîtriez. Et ils disent, non, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Ils disent, oui, mais vous allez mourir de vos péchés. Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas la vraie parole. Mais tu dois aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous éclaire. La parole de Dieu nous purifie. C'est-à-dire, elle te rend pur. Tu peux tomber dans le péché. Mais si tu connais la parole de Dieu, tu te relèves. Tu te relèves, tu enlèves la poussière et tu continues la marche. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, quand tu tombes, c'est fini, tu pars. Comme beaucoup de gens. Parce que tout simplement, la parole de Dieu n'agissait pas encore dans leur vie. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois aimer la parole de Dieu. Vous savez, quand je vois beaucoup de gens, « Ah non, moi, celle-ci, celle-là, ah non, moi. » Je me dis, mais est-ce, je pose juste la question, est-ce que tu connais la parole de Dieu? Si tu connais la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, les choses autour de toi, tu comprendras que, ah, ça, par rapport à la Bible, ça, c'est comme ceci, c'est comme cela. Tu dois aimer la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut te sanctifier, te rendre pur. C'est la parole. Dans le psaume, il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Mais c'est en t'attachant à la parole de Dieu. Rien d'autre, pas aux paroles des hommes, pas à la lettre, mais il faut aller dans la révélation de la parole de Dieu. Savez, quand on est révélé, quand on connaît la parole de Dieu, on est quelqu'un d'heureux. Et tous les vents, tous les diseurs de bonnes aventures, ainsi de suite, quand ils s'approchent, tu te dis, tu comprends tout de suite que ici, c'est l'homme qui parle, ce n'est pas Dieu qui parle. La parole de Dieu, bien-aimé. La parole, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est puissante pour nous délivrer du péché. Dans Jean 4, on ne va pas le lire, c'est une histoire que nous connaissons. La femme samaritaine, une prostituée, elle était reconnue comme ça. Elle était reconnue comme ça. Mais le jour où cette femme-là a rencontré la parole de Dieu, le jour où cette femme-là a rencontré le Christ qui lui a parlé, bien-aimée, la femme-là, c'est elle qui était la première à aller à annoncer l'évangile dans Samarie pour leur dire, venez écouter, cet homme m'a dit toutes les choses que je fais. Bien-aimée dans le Seigneur, la parole de Dieu, tu as... Ma soeur ici, non, elle a une mauvaise vie. Bien aimé, il n'y a que la parole de Dieu qui peut la délivrer. La parole de Dieu, ce n'est pas la morale. C'est différent de la morale. Faut faire attention. La parole de Dieu, c'est différent de la bonne éducation. La bonne éducation est dans la parole de Dieu. Parce que je ne conçois pas, je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui a la parole de Dieu, qui est mal élevé, amen, qui n'a pas une bonne éducation, je ne peux pas le concevoir. Amen. La morale, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais la morale, elle est aussi dans la parole de Dieu. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Ah non, moi, tu sais, nous, on est bien élevés. Oui, être bien élevé, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas connaître la parole de Dieu. Amen. Tu es bien élevé, mais tu es le premier à voler l'argent de la société. Tu es bien élevé, mais c'est toi qui... Tu joues avec toutes les filles ici. Tu ne veux pas voir les filles passer devant toi. Oui, tu as reçu une bonne éducation de ta famille. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, elle commence d'abord à éduquer ta personne. À te façonner, à te donner une bonne forme. Beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, pourquoi vous n'aimez pas la parole de Dieu? Pourquoi nous n'aimons plus la parole de Dieu? La parole de Dieu, elle est puissante pour nous libérer des liens.
Jésus leur dit, vous êtes purs par cette parole. Mais qu'est-ce que tu cherches encore? Au lieu de rechercher la parole de Dieu, les gens ils vont chercher autre chose. Qu'est-ce que le prophète a dit? Qu'est-ce que le pasteur a dit? Vous savez, une fois, j'ai croisé une soeur, je ne sais plus. À peine on a commencé à parler. Ciel, est-ce que tu t'as parlé de moi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur. Je me dis, alors je me suis dit, mais si j'étais vraiment, si j'étais un frère en bois, donc, trop. Mais elle m'a supplié que je lui dise qu'est-ce que Dieu lui avait, Dieu m'a montré sur elle. Elle me dit, non, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? À peine j'ai commencé à lui parler la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit? J'ai dit, mais ma soeur, je n'ai pas reçu des prophéties, je n'ai pas reçu des songes. Non, je n'ai pas reçu de la parole de Dieu. Bien-aimés, aimons la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas la parole de Dieu. Mais si je t'appelle, je te dis, mais parce qu'aujourd'hui, ce sont les théories. Les gens, ils se font beaucoup, trop de théories. Beaucoup de théories. Ah non, tu vois ça. Mais quand tu reviens dans la parole de Dieu, ça n'a pas de fondement biblique. Bien-aimés dans le Seigneur, un enfant de Dieu doit avoir des fondements bibliques. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est tout. La parole de Dieu, il y a tout dans la parole de Dieu. Il faut aller dans la profondeur de la parole de Dieu. Oui, je n'ai pas d'argent, mais la Bible dit ceci, que la parole de Dieu, elle est comme une pluie. Si Dieu dit qu'il va te bénir, quand la parole sort, la Bible dit qu'elle ne retourne pas à Dieu si elle n'a pas accompli ce qu'elle a annoncé. Si Dieu t'a dit quelque chose, si la parole de Dieu te dit ceci, que Dieu te bénira, tu seras la tête et non la queue, tu seras ceci, tu seras cela. Bien-aimé, toi crois la parole de Dieu, parce qu'il n'y a que la parole qui peut accomplir cela. Ce n'est pas les hommes. Vous savez, bien-aimé, je vais dire une chose. Les hommes vont te dire, ah non, tu vois, fais ça. Mais tu vas le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses que les hommes leur ont demandé de faire. On t'a demandé, oui, tu vois ta soeur qui est malade, va, prends une casserole, mets de l'eau, et de l'eau chaude, mets sur ses pieds, elle va guérir. Mais ta soeur, elle est décédée. Mais quand tu regardes le fondement biblique, quand tu regardes dans la parole de Dieu, on se pose la question, mais d'où ça vient toutes ces choses? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je vous disais ceci. Comme enfants de Dieu, faisons attention. Les temps dans lesquels nous sommes, nous, par lesquels nous traversons, sont des temps très difficiles. Et notre adversaire, le diable, il utilise toutes les méthodes possibles. Vous allez trouver des gens dans les églises. Les gens en train de parler, ils parlent comme... Quand vous entendez parler, vous dites, waouh, ça c'est Dieu qui parle, c'est pas un homme, non. Un homme ne parle pas comme ça. C'est Dieu qui parle. Mais quand vous écoutez très bien, quand vous avez le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit non. Quand vous avez le Saint-Esprit, l'Esprit qui donne la sagesse, l'intelligence, qui éclaire l'Esprit, bien-aimé dans l'Esprit, qui éclaire notre esprit, l'Esprit qui éclaire notre esprit, quand vous l'avez, vous comprenez? Il parle bien, mais ce n'est pas Dieu qui parle en lui. C'est l'homme qui parle. C'est le diable qui parle. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, les gens n'aiment plus la parole de Dieu. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui peut te bénir. Les hommes pourront te faire des promesses. Mais lorsque Dieu dira une parole sur toi, juste une parole, ça s'accomplira certainement. Elle va s'accomplir. Mais les gens aujourd'hui n'aiment plus la parole de Dieu. On n'aime plus la parole. Quand on nous apporte la parole de Dieu, nous voulons autre chose. Mon frère, si la Bible me dit que ne vole pas, non, moi je viens dire ne vole pas. Pourquoi tu veux que je te dise, ah non, tu vois, tu peux faire ça, mais si c'est le vol, c'est le vol. Pourquoi nous voulons négocier? Aujourd'hui, on veut négocier avec la parole de Dieu. On veut... arranger, maquiller la corruption.
maquiller la jalousie, maquiller la notre méchanceté. Non, bien-aimés dans le Seigneur, la parole doit habiter en nous. L'apôtre Paul leur dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Lorsque vous avez la parole de Dieu en vous, et que le mal se présente, vous savez, alléluia, le Christ, dans le désert, il va prier. Et le diable vient. Et il dit, écoute, tu sais que toi, tu as faim. Hein? Mais tu es enfant de Dieu, non? Le diable connaissait le Christ. Il dit, tu es enfant de Dieu. Toi, tu as faim, mais regarde. Parle juste à cette pierre. Dis, Pierre, change-toi en pain. Et va se changer. Tu es enfant de Dieu. Dieu, tu sais, Dieu te donne tout, n'est-ce pas? Mais parce que la parole de Dieu habitait en Christ, le Christ lui dit, l'homme ne vivra pas seulement de l'eau et de pain, mais de toute parole qui sort, aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et pour finir, il le transporte. Il faut comprendre, lorsqu'on dit il le transporte, ça ne veut pas dire que le diable est venu, il a pris le Christ dans les bras comme ça. Non, il le transporte dans le pensée, il l'amène pour lui montrer le monde, comment il était beau. Et il dit, écoute, tu peux te mettre à genoux devant moi et je te donnerai tout ça. Et là, le Seigneur le chasse. Et la gloire est venue. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut aimer la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus la parole de Dieu. Ah, mes frères, tu vois, mais non, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Pourquoi nous voulons négocier avec la parole de Dieu? Pourquoi, vous savez, quand je suis certaines personnes en train de parler, les séminaires, ainsi de suite, mais quand tu regardes, il n'y a pas de fondement biblique. On va aussi créer des théories de ceci, de théories de ça, non, trop de choses. Mais tout est, quand on regarde même la vie de toutes ces personnes, on voit, c'est vite. Comment une personne peut rester à l'église pendant 5 ans, 10 ans, mais quand tu regardes dans sa vie, quand tu lui parles des choses d'en bas, il ne comprend pas. Alors tu te poses la question, mais si je lui parle des choses d'en haut, est-ce qu'il comprendra-t-il? Mon frère, ma soeur, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous rend purs. Elle nous sanctifie. Tu es dans les péchés, tu as besoin de la parole de Dieu. Quand tu vas écouter la parole de Dieu, elle va t'éloigner du mal. Beaucoup de gens aujourd'hui restent dans les liens. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'aiment pas la parole de Dieu. On n'aime pas la parole de Dieu. Or, pour être délivré, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu n'as besoin que de la parole et rien que la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'autre chose. La parole de Dieu, elle est comme une pluie. Quand elle descend, elle arrose la terre. Si ta vie n'est pas encore... Vous savez, lorsqu'on parle de la terre, toi mets ta vie. C'est les choses d'en haut, ce ne sont pas les choses d'en bas. Quand le Seigneur parle, il faut comprendre le langage de Dieu. Et cette terre dont on parle, que la parole de Dieu arrose, c'est ta vie, c'est ma vie. Comment la parole de Dieu n'a jamais arrosé ta vie? Ta vie, depuis que tu es à l'église, elle est toujours la même. Il n'y a jamais de fraîcheur dans ta vie. Il y a des gens, depuis qu'ils sont à l'église, ils ont toujours le même problème. Alors, à ce moment-là, la parole de Dieu n'a pas encore travaillé dans ta vie. Tu dois rechercher la parole de Dieu. Tu dois chercher à ce que la parole de Dieu te délivre. Jésus a dit qu'il est venu pour libérer les captifs. C'est à travers la parole. La parole nous libère, la parole nous sanctifie, la parole nous purifie, la parole nous prépare pour le jour de l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous aimons encore la parole de Dieu? En ce temps de la fin, ou même lire la Bible, on a dit oui, il y a la technologie. Aujourd'hui, nous avons la technologie. Ah, on va télécharger des Bibles dans nos smartphones. Oui, mais est-ce que nous les avons téléchargées? Est-ce que nous les lisons d'abord? Parce que la Bible papier, on ne la lit plus beaucoup. Je vous avoue, même moi. Je vous avoue. J'ai plus la Bible ici. Quand j'ai besoin, je vais plus là. Mais est-ce que j'ai le temps? Je le lis régulièrement.
Est-ce que j'ai encore cette soif-là de la parole de Dieu? Bien-aimé, quand tu n'as plus la soif de la parole de Dieu, quand tu as soif d'autre chose, bien-aimé dans le Seigneur, alors tu vas savoir qu'il y a un problème. Tu as un problème. La parole de Dieu, bien-aimé, elle est puissante. Oui, tu as un enfant qui est têtu. Il a besoin juste de la parole de Dieu. Tu as un voleur à côté de toi. Il a besoin de la parole de Dieu. Quand tu lui dises que la parole de Dieu, si tu continues à voler, tu vas aller en enfer. Mais nous, on veut, tu vois, et tu dois arrêter. Non, arrêter pourquoi? Arrêter parce que s'il continue, il ira en enfer. C'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. Tu lui montres que l'enfer existe. Et que s'il continue dans la prostitution, il ira en enfer. S'il continue dans la jalousie, dans la calomnie, il ira en enfer. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons mettre autre chose au-dessus de la parole de Dieu. Non, bien-aimé. La femme samaritaine, elle a rencontré la parole. On lui a parlé de la parole. Et lorsque le Seigneur lui a parlé, elle a dit, non, je n'ai jamais rencontré un homme comme ça. J'ai eu plusieurs maris, il y a des hommes qui sont passés là, mais j'en ai un seul à changer ma vie. Bien, il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer ta vie. Dans Jérémie 29, je crois que c'est dans Jérémie 23. 29 à 32. Le Seigneur dit à Jérémie que ma parole, elle est comme un marteau qui brise le roc. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle est puissante. Vous savez, c'est celui-là, ces messieurs-là, qui a votre dossier, la parole de Dieu. La parole de Dieu, si elle rencontre, il rencontre la parole de Dieu va nous briser. La parole de Dieu a brisé, vous savez, des grands professeurs d'université. Des hommes forts du monde, des hommes dont on pouvait même pas s'approcher d'eux. Mais un jour, ils ont rencontré la parole de Dieu. J'ai suivi un médecin, un homme très intelligent, un professeur d'université, un blanc, un Canadien. Il témoigne, il dit, et voilà, un homme brillant. Vous voyez, quand on est brillant, éloquent, on a tout pour soi. Un jour, cet homme-là a rencontré la parole de Dieu sur son chemin. Et la Bible, et il témoigne, il dit que même ses amis n'en revenaient pas. Mais ils comprenaient. Mais comment toi, un homme intelligent comme toi, un professeur d'université comme toi, tu parles de ces choses, mais tu sais, Dieu, c'est des mythes. Si Dieu n'existait pas, même toi. Mais bien aimé dans les saints, lorsqu'on a rencontré Jésus, lorsqu'on a rencontré la parole de Dieu, on a écouté la parole de Dieu, elle a brisé notre vie. La parole de Dieu, quand la parole de Dieu, elle te met, c'est comme un miroir. Elle te montre vraiment ce que tu es. L'évidence que tu ne peux pas nier. Si tu as un bouton ici, sur le au-dessus de ton nez, le miroir te le montre. Et la parole de Dieu, elle est comme ça. C'est ce que tu es, tel que tu es. C'est ce que la parole de Dieu te montre, bien-aimé dans le Seigneur. Mais maintenant, la parole de Dieu, le miroir est limité. Maintenant, la parole de Dieu, quand elle vient, c'est-à-dire que tu étais sale, elle te lave. La parole de Dieu, aujourd'hui, beaucoup de femmes qui sont dans les mariages, vous savez, vous pensez qu'elles étaient toutes d'une bonne moralité? Il y a des femmes qui aujourd'hui sont dans le mariage, mais quand on veut parler de leur passé il y a 30 ans, et va te dire, hé, frère, quand je rentrais dans un quartier, oh, toutes les sœurs là avaient peur, parce que tu sais, frère, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, quand on raconte la parole de Dieu, quand on écoute la parole de Dieu nous change. Tu ne peux pas rester le même. La parole de Dieu, elle doit être un marteau. Il y a des gens qui ont un cœur très dur. Si c'est fâche contre quelqu'un, non frère, pas lui. Je ne veux pas lui pardonner. Non, pas lui. Mais il ne fuit pas l'église non plus. Il vient, il écoute encore la parole. Alors, à un moment donné, il faut que tu... Ou soit... Tu as fermé ton cœur. Tu fermes ton cœur. Ou
Ouvre ton cœur, libère ton cœur pour que la parole de Dieu puisse agir. Si tu ne libères pas ton cœur, la parole de Dieu n'agira pas. La parole de Dieu, elle est puissante, bien aimée dans le Seigneur. Aujourd'hui, vous allez voir des gens, des jeunes, qui sont en train de parler la parole de Dieu. Tout ça, vous pensez qu'ils étaient comme ça il y a 15 ans? Quand on était encore là-bas, frère. Non. Moi, quand je rentre. Je vous ai parlé d'un monsieur qu'on voulait introniser empereur. Je le connaissais. Il était maître d'école. Et le monsieur, on l'appelait maréchal. Maréchal, pourquoi? Parce que lui, quand il s'asseyait là, dans un bar, lui, c'était des casiers qui buvaient. Et il ne s'enivrait pas. Alors, il devait, à une certaine année, vers la fin de l'année, on devait l'introniser empereur. Parce qu'on ne comprenait pas. Et quelques mois avant l'intronisation, l'empereur, il rencontre la parole de Dieu sur son chemin, bien-aimé. Et l'empereur, comme il habitait chez son frère, on l'appelait Papa Leki, donc oncle paternel, on l'appelait comme ça. Mais ses amis, maréchal, on l'avait surnommé maréchal parce qu'on savait tous, c'est parce qu'il buvait beaucoup et il ne s'enivrait pas. Et voilà, maréchal, quelques mois avant l'intronisation, avant qu'il ne devienne empereur, maréchal, il rencontre la parole de Dieu sur son chemin. Bien aimé, le quartier était bouleversé. Parce que maréchal, quand il me voyait à l'église, petite, Bible, petit, nous, il y a le mousse. Alors, maréchal, lorsqu'il rencontre la parole de Dieu, bien aimé, partout où maréchal allait, il avait la Bible en main. Bible. La Bible. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, quand elle vient, elle te change. Elle est puissante, la parole de Dieu. Tu restes le même parce que tu n'as pas encore rencontré la parole de Dieu. Tu ne veux pas écouter, laisser la place à la parole d'agir. Voilà pourquoi tu penses que toi, tu es toujours celui-là, le malheureux. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, nous sommes affranchis. La Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et c'est la parole de Dieu qui affranchit. Moi, je dis toujours aux gens, vous savez, les gens ils disent, ah non, nous, on a vu clair. Ça, c'est un langage du monde. Pour les Quinois, ils connaissent. Ceux d'ici, ils ne connaissent pas. Alors, pour nous, les blédards, on connaît. Ah, là, on a clair. Quand on dit que moi, là, on a clair, c'est-à-dire que moi, je suis un clairvoyant. Je vois bien. Mais moi, je me dis, comment quelqu'un qui est païen peut voir clair? C'est pas possible. Parce qu'on peut voir clair que lorsqu'on a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui éclaire notre vie. Toi, tu crois que tu vois clair, mais tu es dans les ténèbres et tu ne le vois pas. Mais moi, je suis éclairé par le Saint-Esprit. Je te vois, toi, que tu vas vers la perdition. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est elle qui sauve. Si tu vis encore t'es encore à moi, je vais encore les soirs, enfin moi, si je n'y vais pas là-bas, non, ça, non, bien-aimé, la parole de Dieu délivre. On n'est plus esclave du monde à cause de, grâce à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. Nous devons chercher la parole de Dieu. Tu dois chercher la parole de Dieu. Tu dois te laisser convaincre par la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne se laissent pas convaincre par la parole de Dieu. Tu dois trouver des gens, si moi je lui parle, il est convaincu. Moi je sors mes paroles, là il est convaincu. Mais quand je sors la Bible, enfin tu sais, il y a certaines choses que la Bible dit, mais est-ce que c'est vraiment ça? Ce n'est pas vraiment ça parce que toi tu n'es pas encore rentré dans les profondeurs. Mais c'est vraiment ça parce que moi je suis rentré dans les profondeurs et je le comprends. Voilà pourquoi je t'explique. Parce que toi, tu es encore loin. Alléluia. Tu as besoin de la parole de Dieu. Elle est puissante. La parole de Dieu. Oui, moi je suis, frère, moi je suis pécheresse. Viens, écoute la parole de Dieu. Tu seras purifié. Tu seras lavé de tes péchés. Ah non, moi, je souffre, viens, la parole de Dieu. Jésus est venu pour enlever notre souffrance. C'est très important, mes frères et sœurs. La parole, elle est puissante. Pas autre chose, seule la parole. Et seulement la parole de Dieu. Pas les paroles des hommes. Oh non, il a dit, il a fait. Non, la parole de Dieu. Quand vous allez rencontrer les hommes de Dieu, si vous ne parlez pas de la part de Dieu, à un moment donné aussi, on doit avoir l'habitude. Frère Marabolo, est-ce que tu peux me montrer ça dans la Bible?
Les théories que tu donnes là, est-ce que tu peux me montrer dans la Bible? Hein? Est-ce que, oui, quand tu dis que la parole de Dieu nous purifie, est-ce que tu peux montrer dans la Bible? Est-ce que tu peux montrer dans la Bible que si je suis un enfant de Dieu, oui, je c'est pas parce que j'ai péché que, voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, je vais encore le répéter, ne devenons pas, ne soyons pas esclaves des hommes. Beaucoup de gens aujourd'hui nous veulent nous retenir comme esclaves. Ah non, parce que toi tu t'es fâché, c'est pourquoi tu as des liens, des colères. Non, je me suis fâché parce qu'on m'a fait trop de mal et en tant qu'humain, je me suis fâché, mais j'ai écouté la parole de Dieu, elle m'a libéré, j'ai enlevé la colère. Pourquoi on veut te retenir dans des liens inutiles? Pourquoi, bien-aimé? Tu es délivré, le Seigneur t'a délivré. Le Seigneur t'a sauvé, c'est l'œuvre que le Christ est venu faire pour nous délivrer, pour nous sauver. À moins que toi-même, tu te dises, non, moi je ne suis pas sauvé. Mais moi je sais que, comme dit la Bible dans Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à tous ceux qui croient en ce que dit la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc moi je crois que toi tu es l'enfant de Dieu. Je crois que tu es l'enfant de Dieu. Est-ce que tu crois que tu es l'enfant de Dieu? Est-ce que toi tu crois que la parole de Dieu t'a sauvé? Tu crois que la parole de Dieu t'a purifié? Alors maintenant acclame le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Acclame le Seigneur parce qu'il t'a sauvé. Et il n'y a que la parole qui peut te sauver. Il n'y a que la parole qui peut te guérir. Il n'y a que la parole. Rien d'autre. Rien d'autre. Pas moi. Que la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Elle est puissante pour guérir. Elle est puissante pour libérer. Elle nous a franchis. Elle nous a franchis. Tu es malade, tu as besoin de la parole de Dieu. Et lorsque la parole vient, tu ouvres ton cœur. Bien aimé, la délivrance, elle vient. Vous savez, il y a des gens dont le Christ n'a même pas touché. Mais eux-mêmes, ils sont juste approchés. Et ils étaient guéris. Ils étaient sauvés. Aimons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser la parole au Seigneur. Nous sommes à la fin. On va passer. Je vais inviter la motivatrice pour les. Encore plus d'abord pour les offrandes. Je pensais qu'on devait d'abord passer le communiqué. On va prier pour les offrandes. On va prier. Seigneur, merci. Nous bénissons et élevons ton nom, Père, parce que tu es notre Dieu, notre Seigneur. Merci parce que nous t'avons écouté, Seigneur. Et merci parce qu'en ce moment, nous voulons, Père de gloire, donner les offrandes, Seigneur. Tout ce que nous avons apporté dans ta maison, nous prions, Seigneur. Que tu bénisses, Père de gloire, la provenance éternelle. Que tu bénisses, éternel, notre Dieu, ton peuple, Seigneur, qui apporte dans ta maison afin qu'il n'y manque de rien, Seigneur. Merci parce que tu es notre Seigneur et Dieu. Merci parce que tu es Seigneur. Sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vais inviter le service de protocole. Circuler avec les paniers, nous allons chanter ce chant et offrir ce que nous avons préparé dans nos maisons, comme offrande, comme dîme.
reste des communiqués. Alléluia. Voilà. Les communiqués, on n'en a pas vraiment venu beaucoup. Est-ce qu'il y a-t-il parmi nous des invités? Est-ce qu'il y a-t-il parmi nous des personnes qui sont là pour la première fois? Non. Il n'y a pas. Mais nous sommes dans la joie. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie de revoir encore ancien Christian et Bobby. Ancien Christian, c'est encore une très grande joie. On s'est vu il y a quelques mois et j'ai été très bien reçu, hein, chez ancien Christian. En tout cas, vraiment, ça fait plaisir. Élise, on est très content de vous voir parmi nous. Alors, les communiqués, vous savez, on a un mariage, c'est notre sœur Rosie, la fille de papa... le papa Désiré, excusez-moi, qui va se marier le 16 juillet. Donc, nous sommes déjà au mois de juillet. Alors, on nous enverra tous les programmes sur WhatsApp. Donc, sur le WhatsApp de l'église, il y aura tous les programmes dessus. Vous savez, nous avons l'habitude de faire des collectes et il faut donner, c'est important. Donner. Nous allons prendre le numéro de compte, nous allons passer sur le WhatsApp de l'église, comme ça c'est plus facile et que chacun de nous puisse mettre quelque chose pour bénir le mariage. Vous savez, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. C'est très important. Donc, nous prendrons le numéro de compte pour donner, afin de bénir le mariage. Amen. Amen. Et c'est nous qui allons célébrer ce mariage-là. C'est notre mariage. Donc, mobilisons-nous. C'est le 16 juillet. Donc, il ne faut pas, oh non, voilà, moi, je sais que c'est la période des vacances, mais nous pouvons faire un petit effort. Un petit effort pour être là, c'est très important. Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Amen. Amen. Nous rappelons aussi, demain, il y a intercession de l'Église. L'intercession, elle est ouverte à tout le monde, à toute l'Église. Donc, ce n'est pas non, à une certaine catégorie de personnes, non. L'intercession, elle est ouverte à toutes les personnes. Si vous voulez prier, venez ici, demain à 18h, la salle, elle est ouverte. Ici à côté, vous priez. Et le jeudi, le mercredi, c'est les mamans. Et les jeudis, nous avons nos cultes d'enseignement. Amen. Amen. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Voilà, nous voulons souhaiter joyeux anniversaire. Je sais que maman Françoise, c'était hier. Je ne sais pas qui d'autre, mais seulement je sais que maman Françoise, c'était son anniversaire hier. Elle est... Donc voilà, si vous n'avez pas eu l'occasion, vous pouvez lui souhaiter un joyeux anniversaire. Amen, hein? Amen. N'oublions pas, la parole de Dieu est puissante. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui sauve. Et seule la parole de Dieu nous sanctifie et nous purifie. Est-ce que nous pouvons nous lever et nous allons clôturer le culte de ce soir? Je vais inviter le pasteur Takas, il va prier pour clôturer le culte de ce matin. Prions. Seigneur Père éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ta faveur que tu nous as accordé, Seigneur, de se retrouver dans ta présence. Seigneur, merci pour la parole que tu nous as donnée à travers ton serviteur, Seigneur. Nous voulons que cette parole, Seigneur, puisse produire des effets dans nos vies. Nous voulons que cette parole, Seigneur, puisse nous bénir, Père éternel. Nous voulons que cette parole, Seigneur, puisse nous sanctifier, Père éternel. Ô Seigneur, tu es le Dieu qui agit. Agis à travers ta parole, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Ô Père, nous laissons toute l'église, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Bénis toute l'église, Père éternel. Bénis, Seigneur, ton œuvre pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Bénis tes serviteurs, Seigneur. Bénis tes servantes, Seigneur Jésus. Ô Père, merci, Seigneur, pour ta grâce dans cette église, Père éternel. Continue, Seigneur, d'opérer, Seigneur, parmi nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Nous laissons, Seigneur Jésus,
Les offrandes, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Bénis aussi les offrandes, Père éternel. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus, à avancer, Seigneur, financièrement, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Que ta main, Seigneur, soit encore manifestée, Seigneur, sur le plan financièrement, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Oh Père, nous voulons vivre, Seigneur, des témoignages, Seigneur. Nous voulons vivre, Seigneur, des témoignages, Seigneur, sur tout le plan, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, sois béni, Papa, pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, en train de nous prier et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.